Nabila maintenant de Paris. Bonjour Nabila de Paris. Oui, bonsoir Franck. Comment ça va? Ben, très bien, merci. Et toi? Oui. Bon anniversaire à toi. Ça, et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tout ce que tu nous apportes. Grâce à toi, depuis un an et demi, j'ai complètement changé ma vie. J'ai fait Starter, West, Spark, Sandis, et je suis complètement changée depuis. Donc je te remercie, vraiment. Merci. Alors, j'habite à Paris. Oui. Je suis célibataire, j'ai 35 ans. Mmh. Je suis actuellement en reconversion professionnelle. Mmh. Et j'ai une question sur un blocage que je n'arrive vraiment pas à dénouer. J'ai fait un coaching avec Hélène sur l'amour. Pour trouver mon cher et tendre. Et je bloque toujours sur le profil d'homme qu'il me faudrait. Je rencontre des personnes et je ne sais pas pourquoi je bloque. Je bloque complètement sur la personne qu'il me faudra. Je sais à peu près ce qu'il me faut, mais j'ai l'impression... de bloquer à partir du moment où une valeur ne me convient plus ou que ça sort un peu du cadre. Donc j'aimerais avoir ton impression là-dessus parce que c'est le dernier domaine dans ma vie sur lequel je n'arrive pas à avancer et vraiment je ne sais pas pourquoi. Ok. Quels sont... Je crois qu'il y a une méthodologie, tu es une auditive et les auditives... D'abord, c'est ce que je fais en ce moment, aime quand on parle un peu plus lentement. Et l'idée, c'est que il faudrait que tu puisses déterminer les 5 valeurs qui sont importantes pour toi chez un homme et les 5 valeurs que tu ne peux tolérer et admettre. Ça va pour l'instant? D'accord. Ok. Oui. Et ce que tu vas faire, comme tu es très cognitive, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tenter de trouver, une fois que tu as déterminé ces 5-5, 5 plus 5 moins, où tu as le plus de chances de trouver un homme qui correspond à cette carte génétique. Parce que là, on ne peut pas faire un coaching pendant 300 ans, donc je te donne des conseils pratico-pratiques. Donc, j'en sais rien, ce que j'aime, c'est le sport, l'authenticité, j'aime les valeurs familiales, j'aime la communication, j'en sais rien, 5 valeurs. En revanche, ce que je n'aime pas, c'est l'égocentrisme, c'est quelqu'un qui parle trop fort, trop vite, qui parle que de lui, quelqu'un qui propose sans arrêt des solutions, je préfère plutôt prendre la drive et le dessus là-dessus, je préfère, etc., etc. Et tu vas te dire, où est-ce que j'ai le plus de possibilités de trouver un homme qui a cette carte génétique? C'est mon premier conseil. D'accord. Au niveau de l'endroit, en fait? Oui, dans le milieu. Dans quel milieu, dans quel endroit, okay. Dans quel lieu, dans quel environnement je peux trouver un homme comme ça? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ça fait combien de temps que tu n'es plus avec un homme? Ça va faire depuis que je t'ai rencontré, en fait. Depuis un an et demi. Depuis un an et demi, d'accord. Ben, ça te réussit finalement. Depuis un an et demi, je rencontre Franck Nicolas, ben, je suis célibataire du coup. D'accord, depuis un an et demi. Okay. Ben, j'ai pris le temps de travailler effectivement sur moi et ça m'a beaucoup aidé aussi d'être célibataire. Oui. Il faut que tu vois aussi, Nabila, quelles sont les histoires que tu te racontes. Ça peut être des histoires d'ordre de ton enfance, ça peut être des histoires qui sont injectées encore dans ton quotidien, ça peut être des histoires qui sont d'ordre générationnel, culturel, religieuse, idées reçues, économiques. Il faut que tu vois en numéro 2, quelles sont les croyances qui viennent pénaliser ta capacité à devenir aussi une petite fleur un peu plus ouverte. Aucun homme ne s'amuserait à cueillir une rose qui est fermée et bourrée d'épines. Oui, effectivement. Et un an et demi, tu me dirais 6 mois. Alors après, je ne t'ai jamais vu. Peut-être que tu, physiquement, ce n'est pas facile pour toi de trouver l'homme parce que tu as plein de défauts physiques, je ne sais pas, tu es obèse, tu es plein de boutons, tu sens mauvais de la laine. Mais je ne suis pas persuadé de ça. Tu t'arranges pas, tu es mal coiffé, tu sens mauvais les pieds, j'en sais rien du tout, mais si tu es une dame normale, entre guillemets, c'est pas une question parce que tu n'es pas belle et que tu n'es pas sympathique et pas intelligente. On n'en entend pas du tout, en tout cas, les moindres détails.
Moi, je pencherais plutôt sur la petite fleur qui est très fermée, qui a pas mal souffert, qui est pas mal, pas trop mal confortable dans cette situation aujourd'hui. Mais à force de ne plus être avec un homme, de ne plus faire l'amour, de ne plus avoir d'amour, toi-même physique, ce regard, ces pulsions, ces caresses, cette tendresse, cette fusion, cette capacité de s'abandonner dans l'autre, ce qui est véritablement la définition de l'amour pour renaître en lui, je dirais qu'au bout d'un an et demi, ça peut créer une protection qui n'est pas très saine. C'est comme quelqu'un qui mange mal et qui n'a plus du tout envie de bien manger. Quelqu'un qui ne fait plus du tout sport depuis 10 ans, qui n'a aucune envie de faire du sport, alors que dès qu'on se met à faire du sport tous les jours, on ne peut plus s'en passer. Donc c'est un petit peu la même chose dans l'amour, dans les relations avec les hommes ou avec les femmes. C'est que plus on est seul et plus on se complaît dans cette croyance qu'on est encore mieux seul. Et ça, souvent, c'est inconscient. Donc tu as cette conscience, toi aussi, dans ta tête, en disant, tu sais quoi ? Il y a toujours cette idée reçue qu'on est, je préfère être seul que mal accompagné. Et en fait, c'est quelque chose qui est destructeur. Oui, c'est vrai. Il y a un deuxième point à travailler aussi sur la capacité d'ouvrir un petit peu de la petite rose. Oui. Oui, effectivement, je pense que c'est vrai que, au fond, je suis plutôt bien seule. Malgré que j'aimerais pouvoir construire quelque chose avec quelqu'un. Je sors, j'ai des rendez-vous, j'ai des personnes, effectivement, des hommes qui sont intéressés. Maintenant, effectivement, il y a pas mal de valeurs qui ne me conviennent pas. Et du coup, je reste un peu comme ça. Oui. Alors, j'aurais tendance à dire qu'il va falloir sortir de cet esprit un peu trop sauvage. Même si les hommes aiment un peu les femmes tigresses, sauvages, comme ça. Mais là, c'est trop la faune, là. Là, il va falloir sortir de la jungle. Là, il faut revenir parmi nous. Il faut que tu reviennes parmi nous, Nabila, et que tu trouves dans un environnement un homme qui te plaît. Mais je dirais que, c'est peut-être mon troisième conseil, c'est ne cherche pas à trouver aussi l'homme de la vie, parce que tu es une femme très perfectionniste, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Ouais. Et l'idée, c'est que quand on est perfectionniste, comme ça, on veut trouver la bonne personne tout de suite et maintenant. Et sinon, je n'ai pas envie de m'engager. Si je ne suis pas sûr, Sauf que l'amour, c'est l'incertitude. La sécurité et l'amour ne vont pas ensemble. Ce qui excite, ce qui maintient le désir dans un couple, c'est l'incertitude, c'est l'aventure. Dès qu'on est dans la sécurité, le train-train, il n'y a plus d'amour. C'est très différent. L'excitation, plutôt, a besoin d'incertitude. L'amour devient un peu comme des bons amis. Donc, il ne faut pas chercher forcément à connaître toutes les réponses chez l'autre, même quand on est en couple. L'incertitude. Et puis, le conseil numéro 3 que je te donne, c'est faire en sorte d'aller dans des lieux où tu ne cherches pas l'homme de ta vie. Cherche à passer une bonne après-midi. Cherche à partager une passion. À partager un repas, une soirée, sans plus. Ne te mets pas des plans dans la tête parce que tu vas être déçu ensuite. Laisse faire. Ah, ouais. Oh, c'était un bon repas, c'était chouette. Mais comme Franck le disait, c'était sympa. Mais tu n'es pas déçu, tu comprends. Sinon, tu vas accumuler les frustrations. Et comme tu es fermé, que tu ne le vois pas, tu vas croire que ça vient sans arrêt des hommes qui ne sont pas les bons. Et puis finalement, c'est le chien qui se mord la queue. Plus tu vas te fermer, moins tu vas trouver. Et moins tu vas trouver, plus tu vas avoir la certitude que tu es mieux seul. Ça ne va pas aller. Donc, relâche un peu la pression. Et fais en sorte d'aller dans des lieux qui correspondent aux valeurs qui ont ou qui n'ont pas. Et puis passe des bons moments, that's it. Et tu laisses faire. Ne cherche pas à te contrôler, surtout pas l'amour. Non. D'accord, ma Nabila ? Donc je me pose moins de questions, c'est bien ça ? Je crois qu'il faut que tu te mettes un peu moins la pression à vouloir tout prévoir et surtout dans l'amour. D'accord. Prévois quoi manger, comment ranger ton placard, mais parce que tu n'es pas du style à laisser traîner tes culottes par terre, mais fais en sorte. Ouais. De ne pas faire la même chose pour l'homme de ta vie qui sera peut-être l'homme de ta vie, mais qu'il faut lui laisser peut-être un petit peu le temps de respirer aussi. Super. Okay. Allez, je t'embrasse, ma Nabila. Merci mille fois.